s'informe. Tout de suite, on en fait tout un plat avec le département de la Moselle. Aujourd'hui, je vais vous transformer en citrouille. Non, ça c'était dans Cendrillon. Gros plan sur la citrouille, le potiron. Ce sont des courges, des fruits exactement, de la famille des cucurbitacées. Et ce qui est intéressant, c'est leur faible apport en calories, mais surtout, ils regorgent d'antioxydants. Hop ! Bonjour Jean-Claude ! Bonjour Laura ! Alors, vous êtes maraîcher, comment bien choisir ces courges ? D'après la couleur. Quand la couleur est bien rouge à l'extérieur, il est bien coloré à l'intérieur. Voilà. Alors, et la différence entre citrouille et potiron ? Alors, le potiron est rouge et la citrouille est jaune. Mais par contre, on fait la même chose avec. On le fait en potage, pareil l'une que l'autre. Grande quantité de bêta-carotène, vitamine A, bonne quantité aussi de lutéine et zéaxanthine, très bon pour la vue. À l'intérieur, vous trouverez du phosphore, magnésium, fer, manganèse, vitamine E. Vraiment, il est très bon de consommer ces courges. Place aux bonnes choses maintenant, Jean-Claude, une petite recette. Alors, la quiche au potimarron. Quiche au potimarron. 600 g de purée de potimarron, 200 g de lardons, 2 œufs, 2 cuillères de crème. Mélangez le tout sur une pâte et au four, 20 minutes. À déguster simplement, c'est un délice. On peut faire une soupe, des glaces à la citrouille et moi je raffole de tranches de potiron sur le barbecue directement. Vous coupez des fines tranches, vous mettez sur le barbecue, un délice. Je rajouterai que ces courges sont riches en vitamine B2, elles jouent un rôle dans le métabolisme de l'énergie de toutes les cellules, elles contribuent à la croissance et à la réparation des tissus. Alors ne pensez plus qu'à Halloween, ces fruits sont excellents toute l'année. Conseils et recettes, www.france3.fr. S'informe. C'était On en fait tout un plat avec le département de la Moselle.